Eh bien, bonjour à tous. Épisode 7 de Jump Simulator. Donc, je reprends après une galère technique pas possible. Ça fait une heure que j'essaye de lancer l'enregistrement. Et que voilà, ça ne fonctionne pas. Parce que simplement, j'ai fait la connerie de cliquer sur oui quand XSplit m'a proposé sa mise à jour. Donc j'ai dû mettre XSplit à jour. Quand il a été mis à jour, il a refusé de redémarrer. Il fallait que je redémarre mon PC. Donc ça a pris une plombe. Voilà. Donc ça commence bien cette session. Hors caméra, ce que j'ai fait. Rapidement. J'ai donc acheté 2-3 informations sur des butins qu'il y a dans les. Voilà, dans les différentes maisons. Bon, il n'y a pas. Voilà, on va pas. À mon avis, je vais faire ça hors caméra. Hein, c'est juste, voilà, il y a l'imprimante chez les Powell. Il y a chez Watson. Il y a une machine à café, mais qu'on a déjà eu, je crois. Et il y a un coffre avec des bijoux. Chez les Carter, il n'y a rien. Voilà, on a déjà tout eu. Martin, on a eu. Les Taylor, voilà, il y a un tableau chez les Taylor. Donc on y retournera. D'ailleurs les Taylor, je crois que. Non, c'est bon. Chez les Wilson, voilà, on a eu aussi. Mais après, voilà. Donc après, on a diverses missions à faire. De toute façon. Bon voilà, après voilà, il y a des. Il y a un coffre avec de l'argent. Ils ont acheté une imprimante de valeur, voilà, chez Davis. Donc voilà. Donc il y aurait ça à faire. Si on veut. Mais nous, on va se concentrer sur les missions en caméra. Après, voilà. Le butin, c'est secondaire. Et donc voilà. Donc, au 101, j'ai oublié ça. De casser une vitre. Donc j'aurais envie qu'on le fasse rapidement. Avant de faire la mission principale qui est au 104. De voler la voiture. Voilà, j'aimerais juste qu'on fasse ça rapidement. Alors, c'est la maison qui est la plus tordue parce que c'est la maison la plus dure du quartier. Mais on va aller faire ça. Ouais, sachant que. Faut que je revérifie les horaires par contre. Il est 15 h actuellement. Il faut que je frappe à 21 h. Donc déjà parking. Ouais, j'ai mis 20 h, mais. Bon, tant pis. Parce qu'il me faut 1 minute pour crocheter et. J'aime bien arriver 1 minute avant l'heure où on peut. C'est histoire de maximiser le temps. Même si en soi c'est pas. Même en soi, ici c'est pas très très important. Le truc c'est la coupure de cours. C'est surtout ça quoi, c'est la coupure de cours. Voilà. Hop, elle sort. Salut. Alors, je me suis un peu entraîné hors caméra. Allez, 21 h précise. Voilà, il sort. J'attends qu'il parte. Qu'est-ce que. Quoi?
peuvent pas savoir que... Sauf s'ils chopent ma bagnole. Parce qu'il a vu que j'avais crocheté la serrure, il a découvert la serrure crochetée. Donc faut vraiment que j'arrive à 21h quand il n'y a plus personne et que je crochete. Ça m'a fait perdre du temps. Bon, ça c'est toujours ouvert. Quoi? Détecté. Ah ben non, mais hey, ça c'est pas du jeu ça. Enfin, ils savent pas que c'est... Enfin, moi je suis qu'un passant. Comme un autre là. Enfin, qu'est-ce qui les fait croire que... qui est vraiment pas loin, je vais m'éloigner un petit peu encore. On va dire que c'est pas très légit ça. Bon, on va attendre que la dernière étoile elle se calme, résultat. Mais ça, honnêtement, c'est pas très légit, quoi. Je veux dire, en soi, je peux me balader, je suis un passant comme un autre, quoi. C'est un peu con. Ouais, ok. Putain, un passant m'a vu. Ah, je vous dis, c'est la maison la plus chaude, hein. Honnêtement. Quoi? Oh, ma bagnole, putain, là, ils ont cherché ma bagnole. Oh, un coup, ils cherchent ta bagnole, un coup, ils la cherchent pas. C'est très, très inconsistant au niveau de... À ce niveau-là. C'est assez chiant. L'inconsistance est vraiment chiante. Bon, bah on va attendre ici 21h que l'autre se barre. 10 secondes hein, encore avant de... C'est bon, là il est en train de partir. Te presse pas surtout. Allez, là c'est la bonne.
Alors, je crois que ce tableau-là, hein, il a une valeur, mais c'est pas grave. Ce qu'il me faut en priorité, c'est la mission. Putain! Alors ça, c'était pas prévu. Et j'ai pas regardé où il y avait des planques. Là. Ouais, bah c'est mort parce que de toute façon, le temps que ils vont remettre le courant et tout. Mais bon, voilà, c'est juste. J'ai encore quelques minutes. Allez, on va. Attendez, juste coucher de soleil, hein. C'est bien ça le butin. Non, non, il n'y avait pas un truc avec. Non, fallait juste le casser, c'est ça. Fallait le casser, en fait. C'était dans une mission précédente. J'ai son. Parce que je voyais une étoile, c'est pour ça, Allez, hop, c'est juste histoire de récupérer de l'XP. Donc je vole des trucs à la con, mais c'est pour vraiment récupérer de l'XP, quoi. La machine à café, elle vaut cher. J'ai vu le pognon, là. Ça rapportera pas d'XP. Ça non plus. Le coffre, j'avais déjà ouvert. S'il y a rien. Non, il y a rien. Coupe en or. 40 secondes. Ça a l'air d'être encore ouvert, donc je peux me barrer rapidement. Faut juste que je check ce que je peux prendre. Est-ce que ouais, de toute façon je suis full. De toute façon je suis full, donc terminé. Toute façon, voilà, on a accompli la mission que je voulais. Ma voiture. Voiture est là. Quand il y a plein de passants. Maintenant, pas ça. C'est bon, alors je suis plus recherché visiblement. Par contre, ouais, c'est pas passant. Ok, et eh ben on va aller faire la mission principale. Parce que de toute façon, voilà, en sortant de ma voiture, ce sera sauvegardé. Attendez, je veux juste vérifier que j'ai bien tout sur moi, ce qu'il faut. J'ai deux coupes en or là, mais qui me servent pas. J'ai un DIY, ouais, j'ai un crochet. C'est la 104 hein, que je visite, donc j'ai pas la clé. J'ai pas vraiment besoin du coffre. Qu'est-ce qu'ils ont en butin?
104. Donc ça c'est la mission. Le butin je l'ai eu, donc c'est bon. Normalement à cette heure-ci je suis plutôt tranquille. Je vais rien voler, je vais me concentrer sur la bagnole. Putain, il est debout en fait. Ah. Big gun? Je voudrais me relever, voilà. J'ai pas ça, moi. Enfin, ok, il manque visiblement un truc. Il me manque un truc que je n'ai pas acheté. Donc je peux pas ouvrir la voiture. La passant derrière moi, je l'ai vu. Donc il manque un élément, mais bon, c'est pas grave. On sera revenu en ayant fait une mission. Je cambriole pas encore la maison. De toute façon, là, je crois que j'ai tout rincé dedans. Il n'y a plus d'XP à prendre. Donc faut que je voie un pig gun. Alors, non, c'est là. 8000. Ah. Bon, ben, on va focus les butins. Hein. On va faire ça. Ou alors, je commence à regarder à la deuxième. À la deuxième rue. Non, on va finir de nettoyer cette rue-là. On va récupérer les butins qu'il faut. J'ai oublié de vider mon inventaire au pawn shop. On va rapidement passer au pawn shop. Welcome back. Ouais, donc il y a les trucs, voilà, il y a ces deux trucs là. La micro-caméra, je l'ai mise dans ma voiture parce que je m'en sers qu'occasionnellement. Bon, je suis à 4000. Tant pis, hein, à mon avis, la police est sur les dents, mais je vais focus, voilà ce qu'il faut. Alors,
On va commencer par les maisons un petit peu classiques, c'est-à-dire voilà le 109, 110, tout ça. Donc ici c'est bon, ici y a rien, ici j'ai eu. Il y a les Watson et les Powell. Alors les Watt, chez les Powell, je sais qu'il y a un truc. C'est l'imprimante. Donc on va aller faire les Powell à 9 h du matin. Alors, par contre, j'ai pas regardé. Je sais plus les numéros des Powell. Les Powell, c'est la 113. Ok. Alors, j'ai aussi modifié un petit peu le son du jeu. De façon à ce que ce soit. Voilà. Notamment, je sais que quand j'utilise ma molette, notamment pour prendre la. Pour prendre le pied de biche, ça faisait un gros boom dans le. Voilà, quand on a des écouteurs ou ou un casque, c'est pas forcément agréable. A to Z favorites. J'ai dit que c'était la 100. Ouais, c'est bon. C'est la 113. 113 et 112, hein. De toute façon, faut que je fasse les deux. Ah oui, puis c'est une imprimante. C'est une imprimante en plus. On va se garer en face. Je peux. Hein. Mince. C'est bon. On connaît cette maison, hein, pas de soucis. Voilà, c'est vraiment. Voilà, je vais me mettre là. Je vais reculer la. Quoique, en soi. J'essaie de traverser la rue. Je vais laisser le mec passer là. Il n'y a pas d'autres passants de toute façon qui veut. Les passants spawnent un petit peu aléatoirement, hein, donc on va. Franchement, j'essaye de. Voilà. Ouais, c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Donc, attendez. Voilà. Hop, comme ça, au moins, on sait que c'est sauvegardé. Et on peut. Elle est toujours marquée, c'est ça? Elle est toujours marquée. Mais on va aller chez les Watson. Les Watson, il faut que. Ouais, idéalement. Voilà, j'ai un. J'ai un temps de 3 minutes là. Oui, ils sont tous dehors. Donc j'ai quoi? Donc j'ai la machine à café et il y a un coffre. Machine à café et un coffre. Et j'ai 3 minutes. Faut que j'arrive à minuit, comme ça j'ai le temps de devoir venir. Il est où sinon? Elle est dans la cuisine. Enfin, je sais pas si c'est il ou elle. Dans la cuisine. En soi, s'il est dans la cuisine, je peux même.
Un petit peu avant, mais... Ouais. À voir. Je vais frapper à minuit. Mais ça veut dire que j'arrive... J'arrive à 23h par contre. Ouais, okay. Putain. Logique. Putain, j'y crois pas. J'y crois pas. Bon, c'est pas grave. Sans, j'ai sauvegardé, puis j'ai l'imprimante, hein, normalement. J'essaie de me barrer comme ça. C'est très très idiot. C'est vraiment très idiot. En fait, j'aurais dû directement aller au pawn shop. Mais ouais, j'ai la police qui est sur les dents. C'est en fait, c'est ça surtout le problème. Welcome back. Ouais, 270, ouais, elle est pas ouf. Mais... Bon, on y retourne. Donc j'ai dit ouais 23h hein, tant pis on va hop. Parce que bon il était la bonne heure mais je préfère avoir un max de temps. Puis en plus ça laisse passer 24 heures, si ça se trouve les flics sont un peu moins sur les dents. Là, voilà. Si jamais, bon, ok, c'est celle-là. Attendez, c'est la 113, c'est ça? Non, 112. J'ai pas la clé de la 112. Je dois avoir la clé de la 113, mais pas de... Mais ouais, je suis con, moi, ouais. J'ai la clé de la 113. La 113, je pouvais rentrer par la porte de devant. Bon, c'est pas grave. Mais celle-là, je pouvais rentrer par la porte de devant comme... Éviter d'utiliser les crochets, tout ça. C'est pas grave.
J'espère que j'en ai encore. Oui, j'en ai encore en stock, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, je crois qu'il va falloir que j'en rachète. Ouais, il m'en reste deux. Bon, elle est en train de partir. Là, j'ai personne et j'ai que 3 minutes par contre. Alors, j'ai quoi? J'ai le perco. Et là-bas, il y a quoi? Non, c'est à côté. C'est le coffre, oui. Con. J'étais un peu loin. Ok, c'est 42, 29. Allez, hop, ça c'est réglé. Ici. Rien d'autre. Il y a un échiquier là que j'ai jamais pris. Je crois que j'ai jamais visité cette pièce en fait. On va en profiter rapidement. Ici, je peux se planquer. Rien ici, mais il y a un réveil aussi que je vais prendre quand même. Je vais vérifier aussi la table de nuit. Oh! Je me demandais où il était ce truc. Ça, je sais qu'au Pirate Bay, il peut être pris. Ouais, je check le temps rapidement quand même. Hein. Ça, pareil. XP. Jamais visité en détail en fait ici. Équipement complet. Qu'est-ce que je fais? Non, j'ai plus le temps de toute façon. J'ai plus le temps. Hop. Go à la Casa parce que de toute façon voilà la police est sur les dents donc quand ils vont rentrer ils vont découvrir le cambriolage et puis vaut mieux que je sois plus en ville. Ça s'est plutôt bien passé. Alors le pawn shop oui mais je sais que le trophée Welcome back. je dois pas le vendre. Le bracelet, je peux pas non plus. Parce que là, il vaut que 9 dollars, mais en vrai, je peux le vendre beaucoup plus cher. Clé USB. Il faudrait que je retienne celle-là, je l'ai pas rincée entièrement. Et je suis sûr que la 113, je l'ai pas rincée entièrement non plus. Oh,
Ok. Ensuite, il y avait deux chandeliers trip à récupérer. Je crois que j'en avais récupéré un en plus et que j'ai dû le revendre comme un con. Oui, il y avait ça aussi chez les Taylor. Il doit y avoir une guitare chez les Taylor. Ça, faut qu'on regarde. Faut qu'on regarde parce que je. Échappe. Les Taylor. En plus, je suis sûr que. Non, on n'y était pas. On n'y était pas. C'est la 108, les Taylor. Donc on vérifie, hein, mais voilà, j'ai les deux butins là. Les carter, il n'y a pas, il n'y a pas. De toute façon, les Taylor, je crois que c'est les suivants. Ouais, c'est les suivants. Chez les Martin, il n'y a rien. Chez les Taylor, donc il y a une guitare et il y a un tableau de valeur dans le salon. Donc notre prochaine cible chez les Taylor, c'est la 108. Et après, il y aura chez Miller aussi à faire. Donc, direction la 108. Alors, j'ai envie d'être un peu plus tranquille parce que cet insigne me stresse. Normalement, ça devrait être bon. Juste, je vais regarder par contre le temps. Donc, chez Taylor. Ah oui, c'est celle avec la vigne. Midi. Faudrait être là-bas à midi. Idéalement. On est parti. Oh putain, j'ai encore l'insigne. J'ai l'impression que plus on fait de méfaits, plus l'insigne elle reste longtemps. Hein, j'ai dit. Ouais, ok. Je vois laquelle c'est. Celle-là, sachant qu'en plus je peux me garer juste devant. C'est pas plus de problème que ça si je me gare là. Le passant a failli me voir. Alors, c'est quoi? Ah oui, puis c'est dans. C'est en bas, je crois, en plus. Ouais, c'est là. C'est là. Que je fais le gourmand. Alors, avant de faire le gourmand, voilà. Petite save auto. On va me voir, on va me voir. Non, on me voit pas. Alors, justement, en bas. Profite un max que le mec regarde ailleurs.
Parce que j'avais fait que l'étage à ce truc-là. Je l'ai pas vendu le trophée l'arme. Je fais le kéké là. Honnêtement, je fais le kéké. Il est juste là. Ouais, il est juste dans le. C'est bon, il retourne dans le garage. S'il est dans le garage, en gros, je suis bon, moi. Je peux prendre à peu près tout ce que je veux. Vais checker dans la salle de bain. Ouais, il y a un téléphone. Il y a du pognon aussi. C'est bon, hein, j'étais en plus ou moins en profondeur. Ouais, puis mon sac à dos est plein. Donc, faut pas que je sorte par là. Ah non, c'est un. J'ai pas vu une ligne téléphonique là? J'ai pas vu un truc là? Éclairage. Bon, allez. Arrêtez de jouer avec le feu. Je regarde rapidement, mais. Truc, là. Oui, c'était le tableau, mais le tableau, c'est bon, je l'ai. Ok. Oui, je suis con, mais. Je suis con, mais. Mais. C'est ça? La guitare Taylor, c'est celle-là? La guitare des Taylor. J'ai encore un tout petit peu de temps. Je sauvegarde hein, dans tous les cas. Mais est-ce qu'il y a une autre guitare? La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a une autre guitare? Notre guitare, faut absolument que je la chope. Je l'ai pris ce réveil, ouais, je l'avais déjà pris. Faut que je sois absolument sûr. Putain, j'ai bien fait. Remonte. C'est bon, je suis bon. Ah, fait chier, ça a fait baisser ma note, ça, parce que j'étais très bien parti. Maison. Mais je suis sûr que la guitare des Taylor, c'était ça.
J'ai été trop gourmand, hein. De toute façon, c'est toujours ça le jeu, hein. C'est. Tu punis ta gourmandise très très rapidement, quoi. Donc, c'est pas celle-là. Donc, ça n'a rien à voir en fait avec le nom de la famille. Parce que. J'ai envie de les prendre quand même, les guitares. Pour le moment, je les stocke. Parce qu'en plus, elles sont lourdes. Enfin, elles prennent de la place, quoi. Mais en soi, j'ai envie de la. J'ai envie d'aller les vendre. Je suis sûr que je peux en avoir un bon prix. Avant que je fasse ça. Hop. Alors. Il y a un bracelet là. On va rapidement le démonter. Allez, hop. Le tableau, il avait pas de la valeur sur le black market? Non, il faut des chandeliers triples. Dans les antiquités. Allez, tout ça, c'est dans l'autre quartier, tout ça. Welcome back. Ouais, 400. Le bracelet en morceaux, il vaut 800. Ouais. On n'est pas loin des 8000 qu'il me faut, hein. Et le trophée larme, ouais, je. J'étais sûr que sur le bail, ben, c'était bon, mais. Ouais, ok. Bon, suivant. Donc, on vient de faire ici 1000 heures. 1000 heures, la 106. Et une imprimante et un coffre avec de l'argent. L'idéal, c'est de taper à midi. Sachant que je crois qu'on est obligé de. Et il y a ici, je ne sais pas ce qu'il en est. Après, sinon. Non, là, ils sont dans le salon. Bon, faut voir. Ce qu'on va faire, c'est je vais me pointer là-bas à midi. Bon, normalement, j'ai que 2 minutes, mais on va essayer de faire en plus de temps parce que pour le coffre et le tableau, ça va faire juste.
Après, je crois que je peux me planquer chez eux. On va tenter ça. Quoi qu'il en soit, bon, bah, c'est midi. Donc, chez eux, à midi. Donc, je vais aller sur le parking jusqu'à 11h. Ouais, oui, c'est ce que je voulais dire, oui, parce que voilà, et je vais mettre la micro-caméra en fait dans leur boîte aux lettres. Alors je peux pas mettre. La micro-caméra marche pas pour eux. Ok. Bon, pas grave. J'ai juste un emplacement en moins. Je vais attendre qu'elle sorte. Comme convenu, j'attends qu'elle sorte. Ça va prendre 30 secondes. Je regarde si. Parce que eux, c'est la seule entrée, hein. Je regarde rapidement, hein, mais il me semble que c'est la seule entrée possible. C'est pas la seule entrée possible. C'est pas la seule entrée possible. J'avais pas vu ça. Est-ce que je suis visible de du badaud là-bas? Non. M'éviter des soucis, ça. Donc, le tableau. Alors, le tableau. Ça, mais surtout il y a le coffre. Le coffre, il est où? Pense qu'il vaut de l'XP aussi, hein, mais là je suis à la recherche du coffre. Il est en bas. Okay. Il est dans leur chambre visiblement. Il est là. Ok. En fait, il était juste en face. J'ai très peu de temps. Easy. Allez, sélectionne. Bah alors, allez. Je le vois là, le pognon. Oh putain. J'ai pas vu, il y en a plein là. Et merde.
Ah, je vais me faire griller. Je vais me faire griller, je vais me faire griller, je vais me faire griller. S'il chope ma bagnole avant que j'atteigne la ligne. Oh, c'est bon. Bon, il y a le tableau à prendre. Mais voilà, je pouvais pas tout prendre. Par contre, je crois que j'ai eu tout dans le coffre, hein. Là, j'ai pas eu grand-chose, mais c'est surtout l'argent, quoi. Bon. C'était la bonne stratégie. Par contre, en effet, bah oui, tout se trouve dans la chambre, et puis c'est là qu'ils étaient, quoi. Oh, purée, d'accord. Là, c'est pas possible. Là, c'est vraiment pas possible. On va attendre plusieurs jours. Bon, on va déjà voir si ça a descendu suffisamment. On va encore attendre un petit peu.